quelqu'un qui a la pédale, qui pédale le plus à l'aise. Et puis tout d'un coup, on a vu sortir de nulle part monsieur Damien Kepdani. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on te voit nulle part, tout d'un coup tu sors comme une bombe? Ouais, un tour de l'arrivée, on va dire que rien n'était vraiment fait, puisqu'il y avait 4 gars devant, mais ils n'avaient pas énormément d'avance. Et puis t'avais un équipier à l'avant aussi. J'avais un équipier, ouais, et je voyais que, enfin, j'ai vu que comment ils sont partis. C'est parti un petit peu en facteur autour d'avant. Parce que ça part en facteur. Il y a la poste de travail le dimanche ici à Bianco. Ouais. Et non, je me disais que je me sentais pas trop mal à la cloche. Je me disais qu'il y avait moyen de faire quelque chose dans la poste de Bianco. Donc j'ai mis une grosse attaque dès le pied de la bosse. J'ai assez vite fait le trou. Et en haut, je bascule plus très loin. J'ai lissé un peu mon effort pour pas me mettre trop dans le rouge. Puis je reviens 2 km plus loin, je crois, quelque chose comme ça. Et alors, tu termines partout, tu t'en vas tout seul. Et tu leur dis, vous avez qu'à vous débrouiller pour la deuxième et la troisième. Moi, la première, ça me suffit. Ouais, bah de toute façon, sur une course comme celle-là, il n'y a que la première place qui est belle. Hein, mais... Alors, tu vas rappeler au public ton palmarès dans les championnats nationaux de FOLEP. Alors, tu te souviens, parce qu'il était quand même très jeune. Et puis, il m'a dit j'ai été champion junior. Je vais vous dire ce qu'il m'a dit en cachette, j'espère que tu vas le confirmer. J'ai été champion national junior. J'ai été 2 fois champion national dans la catégorie 20-29. Eh bien, j'ai simplement 21 ans. Il me reste au moins 7 ou 8 ans à remporter des maillots pour la délégation du Nord. Ouais, j'ai pas tout dit en fait. C'est mon neuvième podium, c'est mon 6e titre. Hein, puisque l'an dernier, je fais le doublé héros de chrono. Avec le chrono aussi, parce que alors t'es fort partout. Bah, je sais pas si je suis fort partout, mais en tout cas, le chrono, c'est une de mes spécialités, j'aime beaucoup ça. Donc, rendez-vous à Davray dans 2 mois et demi. Hein. Alors, tu préfères courir contre la montre ou contre les adversaires? Les deux sont magnifiques, c'est des sensations différentes, c'est des efforts différents, mais ce qui est commun, c'est qu'il faut se faire mal à la gueule, et ça, c'est ce qu'on aime bien. Voilà, tu parles comme un champion, c'est bien. Alors, vous allez applaudir eh bien, ce garçon qui est devenu très éloquent. Philippe Massou. Eh bien, on va te remettre Léa. Est-ce que tu aimes les jeunes filles? Parce qu'à Bianco, ils en ont trouvé des jeunes filles. Hein? La bise qu'on réserve au vainqueur, ça te plaît, ça c'est un bon moment. On a trouvé Léa, regardez-moi ça. Et Lucie, je l'appelle Léa pour qu'elle me dise que c'est Lucie. Voilà, alors une belle photo. Et vous avancez d'un pas, parce qu'il faut quand même de la lumière, monsieur Machu. Eh bien, j'aimerais aussi qu'il y ait Laurence et Bernard. Ils sont par là, Laurence et Bernard. Si, vous venez sur la photo, parce que cette victoire, elle appartient aussi au club organisateur, le support technique. Et puis après, on fait une photo de famille avec tous.